Déception et ouais, colère, parce que on leur donne beaucoup de points et de par nos erreurs. Mais surtout, faut bien analyser ce qui a provoqué ces erreurs. Voilà, eux, ils avaient bien préparé ce match, à nous mettre beaucoup de pression, ils l'ont provoqué. Et nous, on n'a pas su être maître de notre jeu. Voilà, on était sous pression dans notre camp. Ben, au lieu de mettre le pied sur le ballon et calmer un peu le truc, ben, on s'est affolé et voilà, on en paye les frais. Ouais, on s'attendait à ce qu'ils fassent ça, en plus qu'ils montent fort en défense, qu'ils ciblent le porteur. Et je trouve qu'en première mi-temps, on rivalise plutôt bien, même si encore une fois, ben, notre point noir, c'est qu'on perd toujours nos ballons arrivés à un moment après plusieurs phases de jeu. Donc on sait qu'on a un jeu de mouvement et la conservation de balle est primordiale. Et ce que je trouve, c'est qu'après en deuxième mi-temps, on a baissé le pavillon et on a fait trop de fautes de main pour rivaliser dans quoi que ce soit. Ouais, bah c'est encore cette maîtrise qu'on a pas eue, que ce soit en défense ou en attaque. Et c'est ce qu'on a on a parlé de ça toute la semaine, et je trouve que c'est quelque chose qu'on avait bien sur le premier bloc, où voilà, on n'était pas trop gourmand, puis on avait aussi un peu de chance aussi, mais dès qu'on rentrait dans la zone de l'adversaire, enfin, proche dans les 22, on scorait à chaque fois. Et là, en l'occurrence, depuis deux matchs, on score plus, et après ça devient dur, quoi. Ouais, bah c'est l'état d'esprit, c'est un tout. On n'a pas eu cet état d'esprit qu'on avait encore une fois sur le premier bloc, où on était des chiens, où on montait fort, on agressait. On les a laissés faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ça, malheureusement, bah, ça donne ce résultat-là, quoi. Non, j'ai pas à souvenir. Mais quand même, le scénario, il me rappelle un peu sur des matchs la saison dernière, et où vraiment on s'affole pour rien, on n'est pas du tout maître, et au lieu de retrouver de la sérénité. Après, bon, on prend ce carton, malheureusement, ça nous met un peu dans le dur, mais après, ils se sont pas affolés, hein. Ils étaient en supériorité, ils continuaient d'agresser en défense, il s'est mis un peu à pleuvoir en plus, donc le ballon un peu plus glissant. Ouais, il faut qu'on grandisse parce que ces genres de matchs, ils vont en arriver encore plein avec les mauvaises conditions qui vont arriver. Donc c'est où on apprend et on avance, ou alors on va se faire chier encore toute la saison, quoi. Bah, il y a deux solutions, c'est où on a peur et on tremble à chaque fois qu'on rejoue ici, ou alors on prend les choses en main et on passe par des choses simples, des choses qu'on sait faire, et parce que je suis persuadé qu'on sait maîtriser les choses. J'opte plus pour la deuxième option parce que c'est pas possible de subir de telle manière. Pas du tout. On en a parlé entre nous, et ça me dérange. C'est moi qui prends la responsabilité de ça. C'est qu'il n'y a plus rien à jouer. Le risque, c'est qu'on prenne un carton encore sur la fin de match, un carton rouge, ou qu'on pète un mec. Il n'y a pas de bonus à aller chercher. Et on peut aussi prendre encore un essai pour leur donner le bonus. Parce que vu les 10 dernières minutes, on n'arrivait pas à tenir un ballon, on n'arrivait pas à mettre de l'avancée. Voilà, c'est mon choix, c'est comme ça. Et les mecs étaient. Les mecs n'avaient pas l'air contre sur le terrain. Bon, apparemment, le staff n'était pas de cet avis, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, je pense que ce carton de Tom, il nous fait mal, parce que bon, malheureusement, c'est pas pour le comment dire, lui jeter la pierre, loin de là. Il nous fait mal parce que je pense que on veut tenir le ballon, on veut aller chez eux, on le fait, mais voilà, toujours cette petite faute qui nous fait perdre le ballon, toujours ce manque de maîtrise. Eux, ils se sont pas embêtés, ils ont bien circulé, ils ont attaqué les rocs quand il fallait, et derrière, ça nous a mis en difficulté. Bien sûr, on s'est pas trop affolé, on arrive à retourner dans leur camp, et voilà, enfin, on fait quelque chose de très simple avant de l'emporter. On joue, on a une bonne libération, on va à l'extérieur, Willy marque, et voilà, on fait un extraordinaire. Mais ben, quand on tient nos ballons, on arrive à faire des choses bien, quoi. Donc c'est ça qu'il faut garder, je pense. Merci bien. Merci.